lendemain, voilà, on a fini de manger, on rentre, on a bien rigolé, on a bien discuté. Ouais. Et cette petite coquine est au courant du lieu d'Halloween. Oui. Oh là 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 là. Je l'ai eu à l'usure. Oh, je suis excédée, j'ai craqué. C'est bien ou pas? C'est topissime. Non mais je viens, c'est sûr. D'année en année, c'est de mieux en mieux. Ah bah oui, là, le level. Et oui, les puces, j'y suis déjà. Bon, en même temps, ça fait un beau moment que j'y suis, parce que je vous avais dit que j'avais déjà réservé et payé il y a un petit moment. Donc voilà, mais ça va être trop cool. Donc bah là, de toute façon, dès janvier, hein, moi, je me mets à bosser sur cet événement, hein, parce que ça va passer vite. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais c'est... Elle mesure combien de mètres de long, cette chienne? Mais c'est pas vrai. Oh, on dirait une planche de pain. Oh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, au fait, les puces, j'ai fait, vous savez, des photos, là, encore avec l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a des applis et tout, où genre, vous mettez votre tête et ça vous fait des photos, mais hilarantes. Regardez le résultat, s'il vous plaît, c'était pour Noël, j'ai oublié de vous les mettre sur Snap, mais c'est à crever de rire. Non, mais je vais crever de rire. Pourquoi les chats sont tout le temps hyper laids dans ces photos? Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Là, j'ai fait refaire mes lèvres ou c'est comment? Enfin, je comprends pas. Soit j'ai les dents qui se cassent la gueule à mon âge, soit j'ai un problème d'œil, mais ça va pas du tout, ma chérie. Bon, ouais, sans intérêt. Ah là, beau gosse. Franchement, il n'y a pas à dire, beau gosse. Très très frais. Les puces, vous en pensez quoi? Si j'étais musclé, franchement, je pense que je serais vraiment une bombe. D'accord, ma grande. Là, encore une fois, c'est pas trop moi, quoi. Je comprends pas trop, mais bon, bref. Là, bon, voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas moi non plus, hein. Alors là, je trouve que cette photo, en revanche, est la plus ressemblante. Enfin, il y a encore un problème dedans, ça, c'est clair. Je pense que, ouais, il y a un gros, gros souci, là. Mais sinon, pas mal, pas mal. Ah bah alors là, c'est pas possible, hein. C'est pas possible du tout, là. Hein. Ça n'est pas moi non plus. Ah d'accord, ma grande. Là, j'ai très très peur de me casser la gueule. Là, c'est pas du tout moi. Enfin, c'est vraiment la tête, rien à voir. Beau gosse, mais malheureusement, c'est pas trop mon visage. Enfin, c'est quoi? C'est moi après les fêtes, là, je pense, ouais. Beau gosse, mais c'est pas mes yeux. Enfin, en tout cas, j'ai pas des yeux verrons. Voilà. Bon, alors là, je ne connais pas cette personne. Les poils sur le torse. Ah, ma grande. Ah, d'accord, ma belle. Ça, c'est moi, mes débuts dans Tellement Vrai. Ah, beau gosse. Alors là, je comprends pas, hein, j'ai fait du Botox a priori. Pro acteur porno. Alors là, c'est-à-dire que je crois que je préfère avoir du bide. Enfin voilà, bref. Hi, bitches. J'espère que vous allez bien les puces. Je continue, moi, mon petit retour aux sources. Voilà, ce matin, je vais rendre visite à ma grand-mère paternelle que j'ai pas vue depuis longtemps et qui va fêter ses, je crois, 95 ans. Donc, ça commence à faire. C'est dingue parce que vraiment, elle est encore en forme et tout. Enfin, c'est assez fou. Ensuite, je retrouve une amie. Pareil, de jeunesse avec qui j'ai gardé contact. Je vais rester encore quelques jours à Lyon et puis direction la Suisse pour le Nouvel An. J'ai trop hâte. Je viens d'acheter un joli petit bouquet pour ma grand-mère. J'aime trop les fleurs. Alors voici mamie Claudette, 95 ans. Tu penses être centenaire? Alors là, hein, c'est pas moi qui décide. T'aimerais bien? Hein, tu aimerais bien? De quoi? Être centenaire? Quel idéal.
Tu sais, hein, faire une centenaire, on a des péripéties hein, pour y arriver. Les photos de famille, ça c'est trop marrant. Ça c'est moi, les puces, je me rongeais, enfin je me... Pas je me rongeais, mais je me léchais les lèvres et ça me faisait des doubles lèvres. Oh, c'est trop marrant ces photos. C'était il y a longtemps, c'est mon père là-bas. Ah. Voilà. C'est nous, tu te souviens cette photo, tu sortais de l'hôpital. Ouais. Tu te rappelles ouais. Quand tu avais fait un AVC? Je sortais du coma. Ouais, ouais, ouais. Une crise cardiaque, ouais. Ah bah ça, c'est moi encore enfant. Hein, ouais. Franchement, j'étais mimes. Hein. Actuellement chez Intersport les puces, je m'achète des chaussettes de ski. Ah bah elles sont pas données celles-là quand même, 50 boules les chaussettes, mais il paraît que c'est les meilleures vraiment, Sidas là. Donc je vais m'en prendre deux paires je pense, parce qu'il paraît que c'est vraiment les meilleures. Alors ça c'est vraiment génial, hein, parce que regardez le casque, il est relié directement au masque. Après, en fait il n'y a plus qu'à basculer comme ça, c'est génial. Oh là là, plus besoin de galérer à attacher son masque. Ah j'adore. Franchement canon hein. Alors tu vois quelque chose? C'est serré derrière. On est en train d'essayer nos casques là alors qu'on retourne pas au ski avant l'année prochaine. Alors bah, écoute, il est pas mal, y en a pas mal hein, des casques qui sont bien mais oh il est bien lui aussi. Oh là là, celui que j'ai là il est pas mal du tout. Essaye-le. Oh, mais bon tu vois il y a des trous là contrairement aux autres. Alors maintenant elle veut acheter un rose. Non mais. Il est pas mal ouais. Il est pas mal. Mais les lunettes sur celui-ci sont jolies. Dommage qu'il n'y ait pas ses lunettes sur celui-ci. Non, moi j'aime mieux les lunettes comme ça. Ah ouais, il est pas mal. Oh là là, on dirait que je vais faire un cambriolage, moi. Non, mais je te jure. Oh, je hurle le trou pour le nez. Ça crevait de rire. C'est pour la bouche ou le nez, ça? Ah non, il y a des petits trous pour respirer, là. Ah d'accord, ma grande. J'ai envie d'un fond de capote. Regardez-moi ça, si c'est pas formidable. T'as ton pantalon, tu ouvres le truc ici, paf, ça te fait un short. Trop pratique. Alors, elle aime hein, se déguiser. Et si tu appuies, ça lève les oreilles. Il faut appuyer plus fort. Bah normalement ça l'élève. Ça lève que dalle. C'est pas assez cassé. Copine Marina de Thaïlande. Oui, ah bah là tu portes plus que jamais ton nom puisque tu vas définitivement aller y vivre. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous vous rappelez que je l'appelais comme ça parce que du coup bah, on part en Thaïlande ensemble mais là elle va aller y vivre. Elle quitte tout, comment ça se fait? J'en ai marre ce pays. Oh non stop, j'en ai marre d'entendre ça moi. Bah oui mais c'est vrai. Ouais. Non j'en ai marre. C'est vrai. Oh. Non j'ai envie d'autre chose. Voilà j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et... Ah, si c'est pas bien. Alors, tant que c'est pas que tu vas voir ailleurs en couple, mais, ça va parce non. Que bon. Non, voilà. Pas du tout, te connaissant, t'es un peu la jambe facile. Bah, je rigole. Mais d'accord. Donc, du coup, dans quelques mois, départ pour la Thaïlande. Ouais, je vais pouvoir venir une fois par an. Bah, quand tu veux, il y aura une chambre. On va aller à Koh Phi Phi. Oui. On fera nos soirées sur la plage. Oui, le jour de l'an. Oh là là, le nouvel an, c'était tellement bien. Bien. Ouais. Cette année, je le fais en Suisse. Bon, ça va être cool aussi, mais oui. C'est pas la Thaïlande quoi. Ouais, il sera un peu plus frais. Donc voilà les puces, je viens de quitter ma mère, on a fait quelques achats cet après-midi et puis là, bah du coup, je reste quelques jours à Lyon avec des copines, alors pas d'enfance, mais des copines de boîte de nuit. Oui, c'est vrai. Hein, tu me jugeais, tu m'aimais pas toi à l'époque. Arrête, mais non. Parce que je mettais des petites tenues affriolantes. Bah. Et donc là, apparemment, c'est un programme surprise, on va faire des activités surprise. Oui. Alors, c'est quoi ça? Apparemment, il y a des activités. Oui, t'es en jean, donc... Il faut que je mette un survêtement, mais c'est quoi ça? C'est à qui? Bah c'est à Matisse. Ah d'accord, donc quel est le programme? Explique-nous pendant ce séjour à Lyon. Non, c'est que des surprises. Comment ça? J'ai prévu plein d'activités. C'est-à-dire? Oula, ouais, toi c'est en look panthère là. Hein. Oh non, mais je hurle. Gogo Macumba là. Hein. Le retour de la gogo danseuse et Macumba. Allez, change-toi. Non, mais c'est quoi le programme? Donc pendant plusieurs jours, tous les jours, il y a des surprises? Tous les jours. Mais c'est-à-dire? Eh ben là, ce soir, tu te changes, on va faire une activité. Ouais. Après, on a un petit repas. Tranquille entre nous et demain il y a d'autres activités prévues. Et donc ce soir c'est quoi alors là? Je peux pas trop t'en dire. C'est-à-dire? C'est assez cardio. Oh non, pas du sport hein. J'espère que tu m'emmènes pas dans ta salle de sport. Un petit peu. Oh putain, je sais ce que c'est. Mais si, c'est sûr. Allez, change. Ça y est, je sais, je viens de deviner. Comment ça c'est cardio? Attends, c'est quoi l'autre indice? Il y a de la musique forte. De la musique. Très forte. Bah ouais. Ah, oh, je sais ce que c'est. Ça va être un cours de danse, là, ou de Zumba, ou un truc comme non, ça, dans votre, dans votre club de sport. Pas du tout. Allez, change-toi. C'est sûr que c'est à votre club de sport. Allez, change-toi. Oh, putain. Change-toi. Non, j'ai pas envie de faire du sport du tout. Allez, change-toi. Ça va être ça? Ah, je sais ce que c'est. Des steps, là, ou je sais pas quoi, non, du... T'as jamais vu. Ma mère, elle fait un truc d'aérobic. Non, pas du tout. Ma mère, elle fait des trucs, là, en club Ta de mère, sport. Je pense pas qu'elle en fait. Je sais où elle va au sport, et je pense pas qu'elle en fait. Ah, donc c'est bien dans une salle de sport? Oui. Oh, putain, non. Oh allez, non! Oh non! C'est quoi ce délire? Il y a des gens qui tombent dans les pommes? Oui, dans ce
Mais tu rigoles. Vous savez ce que c'est ou pas? Attendez, merde, j'ai oublié de tourner la caméra. Un truc dans le noir, en groupe, avec de la musique, avec des gens qui tombent dans les pommes. À mon avis, il y a des histoires de boxe ou de... Non? Un petit peu. Quand pas de la boxe. C'est pas tout à fait le bon terme. Ça doit être du self-défense? Non plus. De la lutte? Non. Bon, bah, je sais pas. Et donc, c'est une salle de sport. Il y a des beaux gosses là-bas, du coup. Ça dépend des fois, mais ouais. Ah, sympa. À cette heure-là, généralement, il y en a. Ah oui, 18h23, super. Oui. Ah bah, je me demande ce que c'est. Alors, la discipline, j'arrive pas à savoir. Je pense que tu vas aimer. Dans le Nord, avec de la musique, un peu sport combat, du jiu-jitsu. Jiu-jitsu, là, du karaté, du judo, enfin. Putain, je sais pas. Mais ce placard-là, c'est Satan. Mais ça va pas. Mange un truc. Mais vous avez tous des excès de cholestérol là, non? C'est pas possible! Allez, c'est parti! Non, mais, j'ai très très peur là! Ça veut dire que c'est vraiment physique! Un petit peu! Grat Zizi est de retour! Fais voir tes faux ongles! Ah, on perd pas les habitudes hein! Jamais! Bon, vous m'emmenez où? C'est quoi ce truc? Alors, on va faire un cours, t'as bienvenue! Ah, donc dans un centre de sport, ouais! Là où on va, enfin où elle va plus souvent que moi! D'accord! Donc on peut lui dire ce que c'est? Non, bah je vais découvrir. Dans la salle, ok. Ah bah effectivement, là-bas, il y a du mal alpha pour moi. Hein. Allez, je vois des beaux gosses en survêtement, tout ce que j'aime là-bas. Hein. Oui, oui. Oh bah ça, c'est bien ma cam. Toi aussi, non? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Mais j'ai vu un truc comme ça à Paris. Oh là, oh, c'est de la boxe. Ah, je sais ce que c'est, du jiu-jitsu. Du jiu-jitsu. À mon avis, c'est du un truc où les gens, ils frappent dans l'air, ils se battent. C'est un peu ça. De l'air combat, comme de la guitare air, là, je sais pas quoi. C'est body combat. Ah, body combat. Putain, non, mais ça va être trop drôle, c'est quoi oui, ça? Ça va être drôle. Oh, je suis à bout parce que le cours n'a pas encore commencé. J'ai déjà des douleurs intercostales, des points de côté. Enfin. Non, je te jure, je crois que j'hyperventile. Je me mets une pression monstre parce que je sais que je vais être celui qui va en plus tout déchirer. Oui, moi. Donc j'ai très peur. Non, mais t'inquiète, ça va être pas. Qu'est-ce que tu me fais pas faire, hein? Et on a des gants, des trucs pour se battre? Non, non, c'est. Alors montre-moi un exemple, non, ça... Non. Non mais si, montre. Ça donne quoi? Non mais c'est des mouvements, on va rire, putain. Ça va être mais hilarant. Authentique, t'es naturel et t'es comme t'es dans la vie de tous les jours. Ça y est, j'ai déjà été repéré donc. Directement, dès que je suis rentrée. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Eh ben je suis dans ton cours de body combat. Ouais, exactement. C'est cool? Trop cool. C'est elle qui m'a trimballé ici. Attends, j'espère que ça va aller, hein. Oui, tout va bien. Faut le motiver un peu. C'est bien. Et ça donne quoi? Montre-moi, par exemple. Bah c'est quoi exactement? Une petite démo. Ah ouais, elle rigole pas elle hein. Oh putain, ah ouais. Mais tu fais de la boxe toi? Non. Oh. Mais Chloé, Kelly et... Mais je comprends pas, t'es plus bonhomme que moi. Enfin là j'ai eu hyper peur. Non mais moi je comprends pas. Putain mais moi elle me fait peur la dame là-bas. Parce qu'on dirait elle va me défoncer. Arrêtez madame. Elle me fait peur. Oh là. Vais-je sortir vivant de cet entraînement? Là, c'est violent. Non mais j'ai jamais fait, je pense ma mère connaît, c'est bien son style de faire des trucs pareils. Non mais c'est trop marrant l'ambiance là, les puces, parce que ça fait très 50 nuances de gris. Mais non mais c'est vrai, les lumières, les lights, ça fait boîte de nuit. T'en as déjà fait toi? Oui. C'est vrai? Bah combat je fais tout le temps. Ah bon? Mais oui. Oh excuse-nous. Deux fois par semaine. On vit dans un monde où les meufs se battent, ok, normal. Ah oui, non, ça défoule, c'est pas pour se battre. On a 40. Ah oui. D'accord, d'accord. Mais elle, elle me fait peur, vraiment. En fait, elle est menaçante. Je te jure, on dirait elle va faire les Jeux Olympiques. Ça se voit que t'es sportive, toi. Voilà, et au-dessus de sa tête, c'est mon intestin près de raclette. Je vais essayer de faire le cours les plus, je vous filmerai un peu mes exploits. À mon avis, ça va être très drôle. Le tiroir de Marina. Chocolat? Oui. Ouah. Oh putain, mais tu sais... Ah, tu sais que ça c'est l'histoire de ma vie, les gens me disent à chaque fois t'as du chocolat. Je mange vraiment comme un cochon de lait. Voilà. C'est bien mon stop me sert de miroir. Ouais c'est pas trop ça Jérém le cours là. Tu vois que t'es en forme, t'étais fatigué mais non. Ah mais je transpire déjà. Putain mais elles me font peur les go, elles sont plus musclées que moi. Bonjour. Elles ont un micro et tout. Oui. Putain mais c'est dingue, on se croirait dans une émission sur TF1. C'est trop drôle, regardez. Putain, elle est bien gaulée, la preuve, quand même, punaise. Les muscles et tout. Vous êtes sportive, madame? Bah, un peu, heureusement, sinon... Oh, mais j'adore, ça a des micros et tout, enfin...
C'est hilarant. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, c'est un show en fait. Oh, ah ouais, il y a de la musique et tout. Ah mais elles sont hilarantes, elles sont toutes prêtes et tout. Ouais, j'étais prête à couper la musique. D'accord. Wouh. Ah, ouais. Je mets mon pied en avant. Allez. Ça commence là. Droit à l'avant. Non mais oh là là. Droit, gauche. Mais j'adore. 2. Je suis déjà crevé. 4. 3. On ajoute. 1, 2, 3, on va voir là, encore, droite, gauche, droite, super, souple, très dur, avec qui on va toucher toute l'avance, on ajoute 4 ciseaux, 4, 3, 2, 1, droite, gauche, droite. J'adore. C'est incroyable. J'adore cette discipline. Trop stylé, trop sexy. Eh ben ça se donne ici. Wouh. Ok, on arrive au bord pour finir. Ok. On lâche. On souffle. On reprend. C'est la rampe. Ok, restez au centre. On le roule. On est sur le rang à droite. Droite, trois marches et gauche. Trois droite et trois marches. Vous tirez une coupe de fessier. C'est à peine l'échauffement apparemment. On ajoute le petit rebond. On va faire le retour. Encore une fois. Ok, préparation du pic à droite. Combien de temps? 45 minutes. Oh, on est parti. C'était que l'échauffement apparemment. Vous savez, ça fait très prison. Regardez, il y a des barreaux et tout. Enfin, t'as l'impression que tu peux vraiment pas t'enfuir quoi. Tu es obligé de rester là. Oh là. Encore une fois.
place, on enchaîne. Oh, on se croirait avec Kamel Wally. Quand ça s'arrête, parce que j'ai cru être dans une soirée de hardcore metal hardstyle. J'ai mes oreilles dans un état. C'était très sympa comme comment dire, comme discipline. C'est vrai que ça défoule bien. Franchement, j'ai kiffé et tout. Je pense que ma mère adorerait. Elle adore trop ce genre de délire. Et c'est une bonne énergie, franchement, top avec la musique et tout. Même si elle était vraiment trop forte, quoi. Oh, j'ai trop mal aux tympans là aux oreilles. Mais c'est physique, hein. Punaise. Mais non, très bonne expérience, très sympa les plus. Bon, c'est vrai que je suis pas un grand sportif, il faudrait vraiment que je m'y mette. Vraiment. Parce que vous savez que je rêve moi un jour d'avoir un corps de rêve. Mais bon, c'est pas de mal à veille avec tout ce que je bouffe. Mais j'aimerais trop et tout faire du sport, avoir la motive. J'avais commencé il y a quelques années, souvenez-vous. Mais c'est vrai que je me décourage vite et que quand je vois pas rapidement des résultats, bah j'ai tendance à me dire oh là là, tous ces efforts pour rien, laisse tomber. Puis j'aime trop bouffer quoi surtout.
Mais bon, on verra, peut-être qu'un jour je me motiverai et que je me mettrai vraiment au sport. En tout cas, il y a une bonne énergie de groupe, c'est sympa, franchement. Merci à tous. Bon bah voilà les puces, on sort donc de l'appart fitness. Oh là là, bah dis donc, je suis épuisé, ça va pas. Oh, plus de surprise comme ça, hein. Non, c'était le plus physique là. Bon, cela dit, après des repas de Noël en tout genre, franchement, ça fait du bien. Non, c'était cool. En tout cas, putain, alors en sortant, je crois que mon passage préféré, c'est de passer par la salle où il y a les machines et les mecs. Il y avait des beaux gosses quand même, punaise. Oh my god, incroyable. Ce soir, c'est sushi time. Comment tu sais que j'aime les sushis, toi? J'adore les sushis. Meilleur réconfort, hein, après une séance de sport. Allez, go. Oh là là. Bah au moins, j'aurais pas éliminé pour rien. Je peux me réengraisser.